Alors, pour finir, dans les 10 minutes qui restent, quelques questions diverses qu'on n'a pas su classer. D'abord, quelle est l'importance des diplômes pour une jeune entreprise innovante et est-ce qu'ils sont indispensables, ces diplômes? Ben, la GUI étant calée sur le crédit d'impôt recherche, c'est la même chose, hein, parce qu'une GUI qui demande d'avoir le statut et qui l'obtient, elle va faire du crédit d'impôt recherche dans la foulée. Donc, c'est les mêmes justifications. C'est chercheur et technicien, comme a été rappelé tout à l'heure, docteur, ingénieur, et puis technicien. Mais en GUI, on aura moins ce problème de commerciaux, peut-être, qu'on retrouve dans l'activité de l'entreprise. En GUI, on a plutôt des startups en création, donc c'est des fois le personnel est plus facile à identifier. J'ai une question de Morgane qui demande, est-ce qu'un président, par exemple, de société qui est rémunéré par celle-ci, est-ce que lui peut bénéficier du fameux statut jeune docteur? Oui. En Oui. théorie, oui. En théorie, oui, il n'y a plus le problème du lien de subordination. Donc, il suffit qu'il ait un contrat sur l'activité de R&D et que ce soit son premier contrat. C'est rare, mais en théorie, oui. En théorie, oui. Messieurs, est-ce que vous avez des exemples de dossiers un petit peu originaux, traités au cours de votre carrière? Bah, en fait, les trois cas que l'on voit, c'est. On voit peut-être moins maintenant, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une volonté, effectivement, de faire en sorte que les entreprises ne soient plus dans ces cas-là. C'est-à-dire que moi, j'ai eu connu à une époque, les entreprises, bon, déclaraient du crédit d'impôt recherche comme ça, par projet. Donc, il y avait une méconnaissance du dispositif. Ça se voit peut-être un peu moins. Alors après, c'est le détournement. C'est bon, là, on est dans les cas frauduleux. Bon, ça, on n'empêchera jamais ceux qui veulent faire un peu, entre guillemets, de l'optimisation. Et puis, ceux qui sont mal accompagnés, j'en ai vu par des mauvais cabinets, voilà, qui avaient pas trop l'idée du client, mais qui avaient plutôt leur idée de rentabilité. Donc, il y avait des plagiats de thèse, des modifications de brevets, des temps, qui ne correspondaient pas. Il faut faire attention par qui on est accompagné. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour une entreprise qui est dans le guidon de décortiquer son opération du R&D, etc. Donc, d'être bien accompagné pour avoir un dossier justificatif qui tienne la route après en cas de contrôle. Et puis, à la fois en cas de contrôle, et puis de justifier en interne sa réelle activité de R&D pour, comme on disait, la structurer, la mettre à son bilan, etc., savoir ce qu'on fait, comment la prévoir, etc., quoi. Oui, j'en ai rencontré sur le cas de l'accompagnement, notamment des sociétés qui ont été accompagnées par des cabinets et des équipes consultants qui n'étaient au final pas capables de gérer le contrôle fiscal ou qui le géraient mal. Et donc, les sociétés ont fait appel à nous pour apporter une expertise supplémentaire et un accompagnement supplémentaire dans le cadre des contrôles. Et puis mes connaissances aussi, en effet, des projets considérés à tort comme éligibles, des projets qui ont été des projets ou opérations de R&D surtout qui ont été valorisés, mais au-delà des limites d'éligibilité crédit impôt recherche, donc à intégrer des dépenses d'essais de production sur lesquels il n'y avait pas forcément, il n'y avait plus de verrou à lever, par exemple. Est-ce qu'il y a une liste de cabinets ou de consultants qui sont accrédités pour être de bons conseils auprès des entreprises? Alors, le ministère des Finances a voulu, entre guillemets, moraliser la profession. On voyait bien le slide précédent qu'il y avait quelques soucis, mais je ne suis pas convaincu que c'est réellement pu apporter une innovation particulière dans le montage des dossiers, puisque la preuve, c'est que les deux ministères, Recherche et Finances, ne tiennent pas compte forcément de cette liste pour accréditer la bonne foi du dossier. Donc, c'est là, mais ça ne vaut pas plus que ça, quoi. Bah, à mon avis, hein. Mais il faut l'avoir, mais voilà.